Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Marvel Snap hop, et une vidéo présentation de deck évidemment. Le deck du samedi, le deck du week-end. Donc là, ça va être un deck que bah, je vous en avais parlé un petit peu, bien sûr, il y a quelques vidéos. J'avais dit qu'il fallait que je le fasse, j'en avais parlé en stream aussi, que bah, j'arriverais forcément à le faire, ce petit deck. Et bah, c'est Cerebro 5, donc c'est un deck assez particulier. Puisque on a à la fois, on va dire, des points, beaucoup de points, mais à la fois vraiment très peu de choses pour gérer quand ça se passe mal. C'est-à-dire qu'on a Enchantress pour bah, les fois où il y a besoin d'aller gérer un petit peu des effets continus et certains decks qui peuvent dégénérer. On a Luke Cage pour le côté négatif, mais après, au-delà de ça, on n'a aucune carte tech. C'est ce qui fait un peu peur dans ce deck, mais sinon, c'est énormément de points. Et c'est parfois... vous allez simplement surpasser l'adversaire en termes de points, il pourra absolument rien faire. Donc il y a du setup move avec Morales du coup qui va super bien, avec Polaris, avec Silk, avec Spider-Man. C'est assez fou que toutes ces cartes coûtent aient une puissance de 5. On a Wave qui permet d'aller jouer Doom plus tôt, qui permet de faire des gros tours à la fin. On a les points donnés par Miss Marvel et Docteur Doom, et après bah, c'est des cartes 1 contre 5 de puissance. Et on a le Cerebro qui n'est pas accompagné de Mystique dans ce deck, puisque en fait l'idée ça va être de le jouer pour mettre 10, 12, 14 points parfois, quand vous avez assez de cartes de puissance 5 sur le board. Donc c'est vraiment, c'est pas, on va dire, vraiment le truc central du deck. C'est le truc central parce qu'on construit le deck par rapport à lui, et parce qu'il met beaucoup de points, etc. Mais on va dire que bah, le fait de faire une Miss Marvel et le fait de faire un bon Docteur Doom, ça va vous générer énormément de points aussi, quasiment souvent plus que Cerebro. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément Cerebro, c'est, on va dire, un des seuls Cerebro où vous pouvez gagner sans Cerebro, et ça c'est quand même assez cool. Ça a l'avantage d'être assez bon contre certains decks de la méta, pas tous hein, clairement. Là aujourd'hui en plus j'ai croisé pas mal de destruction. C'est un peu mou comme match-up. Ça peut se gagner avec une belle enchantresse, mais en tout cas voilà. Je vais vous montrer ça directement en game. Sachez que je suis désolé pour la vidéo d'hier, il y avait un petit problème à cause d'une erreur de ma part où en fait je regardais, j'avais mis en fond sans entendre le son un replay d'un stream parce que je voulais retrouver une liste d'un deck qui avait été écrit dans le chat, et bah, du coup j'ai totalement oublié de l'enlever, et comme j'entendais pas, bah du coup il y a mon son en fond. Et hier j'avais pas du tout le temps de faire autrement. Après avoir monté la vidéo, je m'en suis rendu compte, j'ai fait ma mince en fait. On m'entend parler en double, mais je me suis dit c'est soit ça soit rien, et je me suis dit bah que j'allais pas faire rien du coup. Donc voilà comment on en est arrivé là. Alors Black Widow et Medusa. Bon, on l'aide un peu, on est sympa. Ouais, ça va être ça. C'est juste dommage pour Miss Marvel. Ouais, bon. C'est pas incroyable, mais on a quand même pas mal de points. Et en plus, on peut décaler avec Polaris. Bah écoutez, ça va être Docteur Doom là-dessus. Dans tous les cas. Au dernier tour, on a Ellie Carrière. Et en plus, on peut, avec Polaris, à une chance sur deux, lui enlever Medusa. Lui enlever Black Widow. Sinon, on a Miss Marvel et potentiellement ce que je pioche aussi. À voir ce que je pioche. Là, je mets ça pour ça. J'ai une chance sur 5 de piocher Cerebro, donc on va pas tourner autour. On va... S'il fait... Non, on va snapper, je pense. Ok. Bon, voilà, vous voyez, typiquement, une game, c'est ce que j'expliquais dans l'intro, exactement. Je n'ai pas du tout joué avec Cerebro, cette game. Genre là, clairement, si je piochais Cerebro, je ne le jouais même pas. Tac, ok, on est top 49, on était monté en dessous du top 40 en stream, ça a un peu redescendu parce que des gens ont joué, j'ai fait des tests avec des decks, mais non, mais même hier en vidéo en fait, j'étais monté assez haut, je sais plus exactement, avec Ella, mais en tout cas ouais, le ladder c'est toujours très dur, beaucoup de gens qui tryhardent, beaucoup de gens aussi qui jouent des decks qui sont juste forts avec l'allocation du jour, avec...
par exemple, c'est tout bête, mais quand les gens vont faire leur mission du week-end avec telle carte, avec genre Annihilus la semaine prochaine, bah, il y aura beaucoup de destru, parce que mettre un carnage pour aller détruire toutes les cartes, toutes les pierres, tous les trucs envoyés par des, par Annihilus ou Junk en général, bah ça sera toujours bien. Donc ouais. Ok, ça c'est assez désagréable. Le carnage mid, ok. Ok. Faire Spider-Man parce que il y a, s'il joue une carte là qui n'est pas de la destruction, en fait même si c'est de la destruction, j'ai une chance sur deux d'aller le bloquer au mid. Est-ce que ça vaut un snap, une chance sur deux de bloquer le mid directement là? Il peut faire Killmonger ce tour-ci, donc je pense que c'est, ça va pas être un snap. Ouais. Ouais, du coup, peut-être que avec le pré-shot, j'aurais dû tenter autre chose au final. Possible. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de jouer? Ouais, j'aurais dû jouer Polaris. Là, j'avais un Spider-Man maintenant pour essayer de contrer des trucs sur Camartage. Et c'eût été bien mieux. Miss Marvel n'activera pas son effet ici. C'est grave, non, c'est pas grave en soi. Pas grave du tout même. Tac, tac, tac. Tac, ok. J'aime bien l'idée de faire Wave into Doom là-dessus. Deadpool, il remonte à 4, donc c'est pas énorme. C'est pas énormissime, on a toujours pas Cérébro. C'est un peu dommage là quand même, parce que sur ce setup là, il aurait fait vraiment beaucoup de points. Il aurait fait vraiment beaucoup de points, le Cérébro là. Après, je peux encore le piocher, bien sûr. On ne sait jamais. Et sinon, là, ce qui serait vraiment cool pour moi, ce serait qu'il fasse null tout de suite. En se disant, ah bah écoute, moins cher, je vais la mettre maintenant. Et là, effectivement, l'enchantresse n'en serait que plus belle. D'accord. Bon, on a Cérébro, c'est cool. Je pense que j'ai gagné, du coup. Comment est-ce qu'il gagne cette game-là ? C'est les decks destruction avec un peu contrôle avec Aliot, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire là? J'ai l'impression que Aliot, s'il a assez pour mettre Aliot et Death, imaginons. Je crois pas, hein, mais. 4, il a été. Non, Death, elle coûte 2. On va juste faire ça. Hein. Null, elle est. 4, 5, 6, 7, 8, si je dis pas de bêtises. 2. Non, elle est à 7 même. Elle est à 7. Aliot fait rien là-dessus. Death, elle coûte 2, donc faudrait qu'il ait Death plus autre chose. Qu'est-ce qui coûte 4 dans son deck Bulbuster? Et là, à gauche, j'ai vraiment trop de points du coup. S'il avait joué à droite, il y avait un monde, mais là, j'ai 28 à gauche quand même. Bucky, Carnage. Ah bah ouais, mais du coup ça le redétruit. Ça redétruit ton. Ouais. C'est. Ouais. J'aurais fait la même chose à droite, moi, à sa place. Hein. S'il avait fait la même chose à droite, il avait gagné. Hein. Ouais. J'avais pas du tout pensé à ça. Mais du coup, mon play, c'était peut-être Cérébro gauche, Polaris droite, en fait. Parce que bah ici, au max, il est à 20, et j'aurais été à 21. Et ici, au max, il est à... Tac, il est à 24, et là, je suis à 21. Donc, en fait, j'aurais dû me mettre à 28 ici et à 21 là. Bon, c'était fallait le voir quand même, mais ouais, c'était ça. Ok.
Bon. Bah, en tout cas, ça gagne bien en ce moment en vidéo, c'est cool. Plutôt des victoires. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Alors... C'est pas si mal en vrai ça. Dans le deck, c'est pas si mal. Ça, c'est le genre de truc... Faudrait que Storm, elle ait une puissance de 5 en fait. Ça, ça serait... Voilà. Là au moins, ça serait équilibré comme carte. Je plaisante, évidemment. Ouh, c'est très bien ça. Ouh, c'est très très bien. Alors Korg, ça peut être deux choses. Un classique Dark Oak ou un junk un petit peu... Enfin, un truc qui remonte les cartes avec le loup qui monte beaucoup. Avec Asgard, c'est très bien. Parce que du coup, plus je pioche, moins son Dark Oak il a de points. Et bah ce caillou, il va rester bien au chaud dans la main. Chez Tante May. On va juste faire Polaris. Rassemblement. Rassemblement. Alors. Alors. On va faire ça et on va faire Cérébro. Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'il va bouger Nightcrawler là ? Quitte à se bloquer, ça me paraît quand même assez fou. Est-ce que je fais Wave sinon ? Puisque... Ouais, mais j'ai quand même peu de chance de piocher. Non, on va faire Cérébro. On va le faire ici. Ça, c'est embêtant. Donc, on va le faire là. J'ai pas le choix, en fait. Ok. Bon, bah, si Cérébro va à gauche, personne pioche. Ouais, ok. Bon, bah là, on va juste mettre des points. Mid, on est pas mal. Je crois pas qu'on ait besoin de forcer. Pour rajouter une carte à la fin, quoi. Le problème, c'est que j'ai initiative. Où est-ce qu'il pourrait ne pas jouer? Là, il va peut-être faire juste White Tiger ici, quoi. Peut-être que le play, c'est quelque chose comme ça. White Tiger, si 6 points de plus pour lui, mid, il serait à 27. Si après, il fait Odin dessus. Wong. Oh, l'Enchantress. Bah, je crois que c'est Enchantress. Hein. Il peut faire quoi là-dessus? Odin, du coup? Ok. Cool. J'imagine qu'il a peur de Doom, mais je crois qu'il gagne sur Doom. J'ai pas un setup si bon, peut-être que je devais jouer Lézard ici plutôt du coup. Ouais. Bon bah cool qu'il soit parti, là je l'avoue, je pense que j'ai pas très bien joué. Et je pense que c'est une erreur pour lui de partir là-dessus. Après je sais vraiment pas ce qu'il a en main, ça se trouve il a vraiment rien du tout. Ça c'est vrai que des fois, fut une époque quand il n'y avait pas le classement en ladder, bah, quand on passait infini on allait tout le temps voir ce qui se passait à la fin de la game parce qu'en fait on s'en fichait, ça ne valait absolument rien. C'est qu'il y a des gens qui tryhardaient en ladder, je pense que c'est les gens qui sont le mieux classés maintenant, enfin mieux que moi avec des stats astronomiques parce qu'ils ont tapé des bots pendant longtemps et tout, qui vraiment voulaient tryhard arriver le plus haut possible en infini. Mais ouais, en fait, là, le but, c'est d'aller chercher de l'information, d'aller voir, de se dire « Ah, mais attends, mais ce deck, je le connais pas. Bah, je vais perdre 8 cubes, mais on s'en fiche, parce que le rang n'a pas d'intérêt et que j'ai envie de voir ce que l'adversaire fait. » Donc, vraiment, c'était cet aspect-là qui était ultra cool sur le jeu, je trouve. Je pense qu'on a win là-dessus.
problème, c'est que ça peut y avoir Cosmo, quoi. Peut y avoir Cosmo, ça c'est vraiment chiant. Ça c'est horrible en vrai. T'es le franchement, je pense qu'il n'y avait pas pire truc. Pire terrain possible là-dessus. Je pense même que Tauroscorp, c'était mieux. C'est pour dire. Cyclope. Ok. Bam bam. On a perdu. Hein. Je peux absolument rien jouer ici. Déplace-toi. Non, tu peux rien jouer. Ok. Tac. Ouais, c'est absolument perdu. Je vois vraiment pas comment c'est gagnable cette game. C'est ingagnable. Et il a Cosmo. Ok. Bah là, il n'existe aucun setup où je gagne la game. S'il joue sur trône spatial, là peut-être. Pourquoi il jouerait sur trône spatial? Ouais. Pas sur trône spatial du coup. Même s'il avait pas Cosmo, si je faisais ça, j'avais pas gagné. Hein, parce qu'il joue la moindre carte ici. S'il qu'elle move. Et après, il joue là. Quoi. Voilà, honnêtement. Shirk là et une bouse ici. De toute façon, c'est mort. Il n'y a vraiment rien à faire. Ok. C'est étonnant qu'il ait pas snappé. J'ai vraiment, là, j'ai, on va dire, eu la possibilité de me creuser les méninges parce que il a choisi de pas snapper, ce qui est une erreur, je pense. Mais bah, j'ai pas perdu plus que ce que j'aurais perdu s'il avait snappé tour 1. Donc, au final, ça m'a rien coûté d'autre que de prendre un peu d'informations. C'est tout un art hein, aussi le ladder. C'est vrai que quand tu croises des mecs plusieurs fois par session, bah, le fait d'avoir retenu ce qu'ils jouaient. C'est sympa aussi. Il y a des joueurs qui vont mettre des fois des cartes complètement ultra bizarres dans certains decks où tu vas te dire mais cette carte elle est pas forte dans ce deck là donc tu pouvais pas tourner autour de cette carte là. C'est possible. Et du coup, bah, les fois d'après où tu le recroises, il a non seulement une carte moins forte dans son deck mais même plus l'effet de surprise parce que tu sais qu'il la joue. Et là bah, tu peux aller le fumer tranquillement. Donc voilà. Bon, en tout cas, vous voyez que ce deck Cerebro 5. C'est pas que Cerebro qui fait tourner la baraque. Hein. Il fait des points, c'est sûr. Surtout quand il y a des setups où il y a des gros Docteur Doom, etc. Mais... Et du coup, il m'entend parler, il vient se montrer, quoi. Ouais. Après, la différence, c'est que en fait, dans Cerebro 2, l'axe, c'est de se dire « Bon, bah, je remplis tellement tous mes emplacements et que, vu que j'ai Blue Marvel plus Cerebro plus Mystique... » Bah, que toutes mes cartes elles ont plus 5, tu vois, sachant que c'est déjà des 2, ça veut dire que t'as 7, 4 fois sur l'emplacement, tu mets des emplacements à 28, ça fait énormément de points, quoi. C'est ça l'idée de Cerebro 2. Cerebro 3, l'idée c'est, ok, si je setup un bon truc avec un tour 7, avec les limbes, etc., avec Magic, c'est gagné. On va tenter ça, je pense. Quoique, est-ce qu'on le ferait pas comme ça? Faut le faire paniquer là. Faut qu'il ait envie de défausser toute sa main. Faut qu'il fasse Elko sur Ala. Ouais, là, imaginez seulement, s'il fait Elko sur Ala, je suis un génie de ce jeu. Et du coup, je me rappelle plus de quoi je parlais, je racontais sûrement ma vie encore. Complètement oublié, j'ai de quoi je parlais. Ça doit être horrible pour vous. Quand je fais ça en stream, au moins il y a quelqu'un qui me rappelle et qui me dit mais si tu parlais de ça, parce qu'ils ont envie de savoir la suite. Mais là du coup vous, si vous êtes en commentaire et vous dites de quoi il parlait ce mec là. Bah désolé. Ok. Intéressant. Pas de Docteur Doom.
On va te faire cérébro, je pense. Si je pioche Luke Cage, je m'en fiche. Si je pioche Lézard, je peux faire Lézard Miss Marvel. Je fais quoi? Je fais Wave. Wave Silk, en fait. Je fais Wave Silk. Ouais. C'est exactement ça. Enfin, Silk Wave pour déplacer la Silk. On s'est compris. Il y a quand même pas mis Modok au mid. Mais quoi? Oh! Attends. Quoi? Bon, je viens de lui donner la game, je crois. Miss Marvel met 15 points. Cérébro, il en met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Miss Marvel met plus de points. Ça et ça, j'ajoute 5, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Si je mets ça, j'ajoute 17 points aussi. Ah, donc non, ça revient au même. Ouais. Je pense que j'ai perdu. En fait, je vais donner la game avec Wave. Mais je crois vraiment qu'il avait tellement mal joué là. Il peut vraiment rien jouer au mid, quoi. Ça peut l'emmener au mid. Ah, c'est galère. J'ai envie de tenter quand même. On va voir. J'ai juste envie de voir ce qu'il fait. Mais Dracula va défausser de la merde. Oh, par au mid silk. Ouais, si vous avez perdu, ça faisait 21 de toute façon. Quoi? Attends, mais il avait 7 cartes en main. Fallait qu'il joue 6 cartes sur 5 places. Ah, bah oui, mais dans tous les cas, il se générait ça en fait. Et en plus, dans tous les cas, la sentinelle. Ah, oui, mais en fait, il pouvait pas jouer Dracula. Mais je suis trop bête. Mais pourquoi il a fait ça? Il a mis Modok sur le pire terrain possible. Après... Mais non, il devait juste jouer ses swarms pour pas trop se blinder, mettre son Modok, aller poser sa Chavez et tout, faire que son Dracula y pop. Il pouvait avoir largement un 7 points. Là, il n'y a aucune raison d'aller waste comme ça son... Je sais pas. Ok, j'y aurais pas pensé, mais du coup, en jouant Wave, je lui donnais la possibilité de jouer Sentinelle plus Apo, mais en fait, ça lui remettait une Sentinelle en main, dans tous les cas. Ok, j'aime bien Spider-Man là-dessus, du coup. Je trouve que c'est un très bon bail. Pas joué. Mirage, il récupère donc Luke Cage en deux fois. Ah, la tuile. On le fait quand même. On le fait quand même, je pense. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça change? Ça fait juste plus de points. S'il y en a 4 qui meurent là et qu'il y en a un qui survit, ça reste dans tous les cas des points, donc je m'en fiche en fait. Bon, ça serait pas de chance, 4 quand même, mais... Et de 1. Votre fidèle serviteur Spider-Man. Wouhou! Votre fidèle serviteur Spider-Man. Wouhou! Votre fidèle serviteur Spider-Man. Ah. Votre fidèle serviteur Spider-Man. OK.
Et bah, franchement, même ça, c'est bien. Hein. Non, ouais. Bon, allons tuer sa mirage, ce sera toujours ça. Non, c'est vraiment pas ouf d'aller tuer sa mirage là-dessus. Le problème, c'est que ça... Bah, après, j'ai plus Cérébro, donc c'est vraiment nul. Je pense qu'on veut faire Cérébro ici à la fin. On veut remplir tout ça, et à la fin faire Cérébro. Et comme ça, on a plus 8 à toutes mes cartes. Ce serait incroyable. Mais ça va être compliqué. On va pas faire wave là quand même. Ça me paraît bien claquasse wave. J'ai plus grand chose pour déplacer. Hein. On va faire wave. Ce qui fait Loki là du coup. Le Loki. Ok, il a une chance sur deux d'avoir mon Enchantress. Oh. Allez, ça me paraît correct. Il a une chance sur deux d'avoir mon Enchantress, donc je pense que... Et je sais plus si tout à l'heure on est parti du principe... Bon, dans tous les cas, je pense qu'il l'a pas. Pas de soucis à se faire, vous inquiétez pas. On va avoir deux cérébraux de moins. Mais à gauche, on fait des points. On sera quand même à 18 à gauche, c'est-à-dire qu'il est obligé d'aller mettre quelque chose. Je sais pas s'il met juste... Ouais, faut voir. Bah ça c'est grave cool pour moi. Ça c'est très très cool pour moi. Mais il pioche pas du coup. Ok. Loki au mid. Ok. Bon, il va faire Cérébro aussi, du coup. Il a moins de points que moi. Je pense qu'on gagne, là. Hein. Si je dis pas de bêtises, là. S'il me fait Enchantress gauche, il gagne la gauche, mais il perd à droite et au mid. Sauf s'il fait Enchantress gauche, Cérébro droite. On va voir. Je pense que j'ai plus de points que lui en global, parce que j'ai plus de 5, puissance 5, quoi. Mais le truc, c'est qu'il peut avoir fait Enchantress. On va voir. Fait la même chose. Du coup, je gagne au mid actuellement et à droite, je gagne aussi puisque il va avoir que deux cartes de puissance 5. Je ne suis pas fou. Oh. Je crois que je gagne à l'écart. Ok. Et bah c'est assez fou en vrai. Mais vous savez que c'est pas la première fois que je vois ça. Ça m'était arrivé pas plus tard qu'hier en stream en fait. De jouer Loki, de tomber contre un Cérébro 5 et de me dire qu'en fait j'ai l'impression que je peux faire Cérébro 5 moi-même parce que bah, Loki il a une puissance de 5 vous savez. Et ça du coup ça te donne envie de te dire bah en vrai si je booste Loki et toutes les autres coups 5 qu'il vient de me donner c'est pas mal. Et du coup là il s'est fait bait en se disant que ça se trouve la meilleure option c'était ça alors que non quoi. Il est peut-être parti du principe que je n'avais pas Cérébro ce qui me paraît bizarre quand même. Je sais pas. En fait il a eu une idée de play qui perdait si je faisais exactement le même play que lui. Sachant qu'il avait les cartes de mon deck donc ça c'est quand même assez étonnant quoi. Ça sera la dernière game, parce que je viens de voir le temps, ça fait un petit moment qu'on est là-dedans.
Mais en tout cas, bah, on a pas mal gagné, mais c'est pas ultra représentatif non plus, c'est que quelques petites games, mais il est très cool au moins ce deck à jouer. Et ah mince. Et Cerebro, c'est quelque chose de. Oh là là, d'accord. Ok. Ouh. Bah c'est bien, c'est bien. C'est bien. On a Enchantress, ça peut aller gérer un dino. Le problème qu'on a, c'est un potentiel Professeur X, quoi. Ça, c'est pas grave si on récupère Luke Cage. Ah, faut vraiment récupérer Luke Cage, par contre. Faut genre vraiment, vraiment récupérer Luke Cage. Hein. Bam bam, est-ce qu'on n'a pas envie de le faire ici? Pour pouvoir rejouer plein d'énergie? Moi, je pense pas. Ok. Oh, j'aime bien l'idée de cette petite Polaris là. Oh, je l'aime bien cette petite Polaris. Nico. Ah non. Ah. Oh. Ah ok, je pensais qu'il aurait. Ok. Il pioche, ok, ok. Time Stone. Ouais, donc là, il va pouvoir faire un gros Professeur X. Il est bloqué à gauche. Il est bloqué au niveau de la gauche. Quand même peu de chance de piocher... Normalement, il a pas Enchantress, hein, le loulou. Est-ce que nous, on fait Enchantress, là, sur la droite? Ça serait marrant, en vrai, pour la fin, quand même. En vrai, ça serait drôle, au moins. Ça on peut pas le nier. J'ai clairement lancé la game là. Ok. Si je pioche Doom, je le joue avec. Donc faut que je joue Miss Marvel là maintenant. Si je pioche Luke Cage, c'est vraiment mieux par contre. Hein. Ah merde! Oh le bêta! Bon, de toute façon, c'est pas grave. Miss Marvel aurait jamais proc à droite, là. Enfin, elle aurait jamais rien changé à droite, donc ça va. Du coup, Luke Cage, on s'en fiche complètement. Luke Cage, on s'en fiche complètement. Morales. Ok. Ok. Ouais, bah je voyais mal comment il allait gagner là. Je pouvais me remplir quasiment. Attends. J'avais combien? J'avais 8. Ouais, je pouvais. Ah non, je pouvais pas tout jouer. Non, donc il me restait une place de libre. Ouais, donc j'aurais pas joué les arts, je pense. J'aurais mis Jean droite pour être sûr que j'aurai à droite, de toute façon, Moral, Silky, Hypa, tout ça, etc. J'aurais fait en sorte de gagner à gauche, même s'il y a une rogue ou quoi. Et je pense que Cerebro allait au mid là dans ce setup parce que même s'il fait Aliot dans l'idée de m'empêcher de jouer au mid, je gagne à gauche en fait et au mid donc ouais. Ok. Bon bah là c'est la Polaris qui a clutch hein, clairement. Mais Polaris c'est une carte qui est très 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 sous-estimée et d'autant plus dans des méta où il bah, peut y avoir des Thanos mais des Elsa avec des Loki etc. Bon en ce moment il y a beaucoup de bounce, hein, de cartes qui remontent, d'autres cartes donc. Ça reste jouable surtout s'il y a du junk qui arrive, mais Polaris, attention, attention quand même. Moi, je trouve que c'est une carte
selon qu'est-ce qui se joue quand et où, ça peut faire vraiment de très grosses games. Donc je vous remonte rapidement le deck avant de qu'on s'arrête là-dessus, ça fait déjà 35 minutes quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu, encore désolé pour le bug de son d'hier, et on se retrouve de toute façon demain sur YouTube pour les actus Marvel Snap de la semaine, et on se retrouve aussi dès lundi à 11h30 pour les drops, continuer les drops, et pour toute façon un stream sur Twitch à partir de 11h30, voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un agréable week-end, et bien sûr, au revoir.